Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Ride 2 pour un nouveau test, le test de cette magnifique 250 RGV Suzuki que nous allons tester avec le plus grand des plaisirs sur Holster GP, évidemment, vu que je suis un grand fan de deux temps et je pense que je ne dois pas être le seul, hein, forcément, avec ces machines de rêve total. En tout cas, méga et grand plaisir d'avoir ce modèle dans Ride 2, c'est clair que là c'est le pur bonheur total. Surtout qu'ils nous ont mis quand même pas mal de motos de temps, donc je pense qu'à tous les fans, on ne peut qu'être heureux et ravi totalement. Allez, c'est parti, let's go! Gaz! Alors au niveau de la sonorité, c'est pas encore ça, mais bon, ça va encore quoi, comparé à un Ride 1 avec la RS250 où c'était juste catastrophique. Allez, c'est parti. On va taper un peu dedans. Oh shit! Oh, je me suis pris une pelle d'enfer. Thank you.
Boum! Putain la vache. J'étais tellement bien lancé là. Freinage ce fut. C'est de la bombe. Oh la vache! Je me suis dit, oh non! Il y aurait moyen, hein, je pense, mais bon. Je suis pas encore prêt. Oh la vache! Alors là, ouais, non, là c'est carrément mort. Attendez, on va réessayer de force. Quand elle est lancée, il est difficile de l'arrêter. Vous voyez, il n'y a pas de frein moteur. Ce qui fait que... faut piloter à donf. Ça, c'était obligatoire. Je me suis dit, la touchette... comme telle... c'est poubelle. Bon alors là, ouais, c'est pas évident, hein. C'est un tout autre pilotage, univers total. C'est l'univers de je passe très fort ou je passe pas.
Putain, la vache. C'est GP, c'est GP. Putain, j'ai un truc sur la jambe. Un petit dernier tour. Oh la vache! C'était violent. Donc je vais tout reprendre parce que là j'ai fait trop de la merde. Ah, c'est pas évident parce que c'est vraiment un pilotage vraiment exceptionnel. Vous voyez, hein, ça a beau être 200 cm3, mais ça crache. Alors la moto, elle est vraiment, vraiment, vraiment super maniable. Ce qui fait que... Ce qui est génial, en fait, c'est que quand vous allez rouler avec un... Genre un 4 cylindres, par exemple... Genre vous prenez... Bam! Putain! Genre vous prenez un G6R et après vous passez direct à la 250, vous allez juste halluciner quoi. Niveau maniabilité, c'est un truc de fou. Il faudrait faire, je pense, un défi 600 contre 250. Ça c'est faisable en multi, je pense qu'il y aurait moyen de se programmer ça. Pourquoi pas sur Ulster GP. Même si en vitesse de pointe, voilà, mais. L'essentiel c'est dans les virages quoi. Putain, ça je me doutais encore. Ah, je roule comme une patate aujourd'hui. Je suis pas à fond là. Thank you.
Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, avec de telles motos de pur bonheur, on se fera plusieurs courses en 2,50, ça c'est clair et net. Je pense qu'en s'améliorant encore et encore sur Ulster GP, il y a moyen vraiment passer très fort. Et de se faire méga grave plaisir, quoi. Ça, c'est juste clair et net, quoi. Voilà, donc on s'arrête ici, les amis. Et comme toujours, on se termine avec un petit replay de ces beaux passages. Donc là, j'ai gagné... Ah ouais, j'ai gagné un peu de thunes, en fait, là. Vu que du coup j'ai fait un bon chrono, 4-0-5 au meilleur tour, au record de la session. Ce qui est quand même pas mal, hein, parce qu'avec un 2,50... Donc comme vous avez pu le voir, on passe vraiment... Alors attendez, je vais avancer un peu, hein, comme toujours, parce que avec le début et le commencement. Hop, on va avancer juste au démarrage, voilà. Comme ça. Je vous laisse profiter, comme toujours, de ce replay. En tout cas, avec la 250 RGV Suzuki, on retient énormément de plaisir. Une machine franchement énorme, franchement magnifique. Une grosse tuerie, hein, qui s'adresse aux fans de deux temps, hein, comme à toutes les personnes curieuses de découvrir ce petit bijou. Mais en tout cas, c'est vraiment une moto... c'est le full de chez full. Hein. Après, c'est on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, moi, je surkiffe.
Allez les amis, c'est ici qu'on se quitte du coup hein, sur ces derniers kilomètres. Et on se retrouve donc très prochainement hein, pour bien d'autres épisodes avec toujours hein, présentation et test de moto. Suivi en même temps de la carrière, en même temps on essaiera de l'avancer un petit peu. Hein, en même temps de pouvoir faire divers tests hein, parmi ces 170 motos. Je vous dis à très bientôt, salut à tous et à toutes.